Chers amis, bonjour. Les voyages forment la jeunesse Louis-Ton, si tant est que pour mes voisins, les voyages soient encore nécessaires pour les observateurs et les techniciens qui, au quotidien, scrutent et analysent les performances de mes voisins donc. Cette semaine était une semaine internationale pour beaucoup de joueurs du MHSC. C'est toujours un bonheur, c'est toujours une plus-value pour le club que de compter dans ses rangs justement des internationaux, qui plus est les nôtres ici, vraiment. J'ai à ma gauche donc le sémillant Dimitri Berthaud, le gardien de but, dont je ne vous présente pas dans le détail le CV, et à ma droite le resplendissant Nicolas Cosa, qui tous deux ont passé la semaine ensemble avec les espoirs. Je vais commencer avec vous Nicolas, parce que bon, on ne va pas se mentir, l'Azerbaïdjan et la Slovaquie comme deux premiers adversaires à la qualif pour l'Euro 2021, ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est très bien passé. Le premier match, on n'a pas encaissé de buts, on a fait un clean sheet, on en a mis 5. Bon, on va dire que ça s'est bien passé. Le deuxième match, c'était un peu plus difficile quand même. On a souffert en fin de match, mais bon, on a réussi à quand même à le remettre 5. Et voilà, on est content, 10 buts en deux matchs, c'est beau. On le voit vite, non, j'imagine, chez les espoirs, on le voit vite la qualité de l'adversaire et comment ça va se passer. On le voit vite, oui, on avait fait des vidéos, donc c'est sûr, on savait contre qui on tombait, on savait à quoi s'attendre. Après, nous, on développe notre jeu et voilà, on a confiance en nous, on sait ce qu'on doit faire. C'est sympa les espoirs, l'ambiance? Très bonne, ouais, très bonne ambiance. Ouais. Bon, après, j'en connais pas mal parce qu'on s'est suivi tout au long de notre génération, mais ouais, c'est cool, on se régale. On va rappeler quand même que vous aviez gagné 5-0 en Azerbaïdjan, je crois, exact. Et 5-3 contre les Slovaques. Exact. Bon, est-ce que dans un petit coin de votre tête, vous pensez déjà que cette étape chez les espoirs peut rapidement se transformer en tremplin, si vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, ouais, c'est sûr, c'est dans un coin de la tête. Après, c'est très loin. Si vous pensez à l'équipe de France, là, c'est très très loin. Il y a beaucoup de chemin à parcourir, beaucoup de travail, je pense. Et voilà, mais c'est dans un coin, c'est vrai, c'est sûr. Bon, Jimmy a pu faire l'expérience, hein, il a eu de la chance. Mais voilà, après, c'est beaucoup de travail, je pense que j'y suis pas encore. Bon, vous avez joué tout le match, hein, contre l'Azerbaïdjan? Contre l'Azerbaïdjan, j'ai joué tout le match et je suis rentré contre la Slovaquie, 20 minutes. Voilà, les Bleus peuvent se tranquilliser. Ils ont 6 points en 2 matchs et c'est déjà pas mal. D'autres en ont autant avec un match de plus, donc nos Bleus sont plutôt bien engagés. Alors je vais me retourner maintenant vers Dimitri Berthaud, parce qu'effectivement, Nicolas faisait référence. Ah, il vous est arrivé quelque chose à vous de pas banal, hein? Non, c'est sûr, c'est pas banal, c'était un peu comme un rêve. Depuis que je suis tout petit, comme tous les footballeurs, et ça m'est arrivé, et je suis vraiment très fier et très content d'avoir eu la chance de faire ça. Alors on va rappeler ou expliquer à ceux qui ne le savent pas. Vous avez été appelé par Didier Deschamps pour un entraînement avec les A. Vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé et pourquoi déjà? Pourquoi? Parce que je pense que Maignan et Areola étaient au repos. Il n'y avait que Steve Mandanda et il leur fallait un gardien pour faire un peu de finition avec quelques joueurs. Donc l'entraîneur gardien des espoirs m'a appelé l'après-midi en me disant que le soir j'allais m'entraîner avec eux. Et vous avez cru que c'était une blague? Au début j'ai pas trop cru, mais il s'avère que ça soit la vérité. C'était un bon moment? Ouais, c'était énorme. Bon, vous avez toujours devant vous Alban Lafont, hein? Devant vous, mais pas très loin. Non, pas très loin. Mais après c'est la hiérarchie comme ça et il fait un très bon début de saison avec son club. Et voilà, de toute façon moi je me donne à 100% à chaque fois que j'ai retourné. En tout cas, c'est une belle expérience. Ils en emmagasinent, bien sûr, et immédiatement au profit du MHSC, puisque les voici à Grammont et les voici fin prêt, bien sûr, pour aborder le futur obstacle, le Stade de Reims, samedi. Merci, messieurs. Merci. D'accord.